n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de faire de prise de sang, les analyses, les crottes et les urines, et faire les analyses pour trouver s'il y a des parasites, ou bien à partir des urines, comme pour nous, savoir s'il y a des bactéries, etc. Donc à partir de ces observations, on peut aussi voir si un chimpanzé tousse, s'il a un rhume, et à ce moment-là, on suit ce chimpanzé et on regarde ce qu'il va manger. Un chimpanzé, en principe, mange principalement des fruits, parfois il mange des feuilles, un peu plus rarement des écorces, des tiges, et donc moi j'ai découvert que certains chimpanzés, par exemple, Galera aux éditions Cépage à partir de 5 ans. Au cœur d'une grande forêt vivait un loup un peu différent. C'était un loup très fort, très grand. Mais voilà.
Il reste des choses. Ils n'ont pas volé la table. Pas en bon état. Ça n'a pas été nettoyé par contre depuis. Grave à écraser, mais ça aurait pu être restauré autrement. Les sanitaires, la boue, 1,5 mètre d'eau. Le principal a failli se noyer. Carnet de liaison. La mangrove derrière. L'école de cul-de-sac, elle est cassée aussi par là. On entend les oiseaux. La nature revient. Finalement, il n'y aurait jamais dû y avoir de collège ici. Fac Irma, merci qui ou merci. Un écran d'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'ils en ont refait avec des béquilles. Il y a même un ordinateur, une tour. Ils ont laissé des choses, des casques qui pourraient encore fonctionner. Hein. Il y a des choses qui pourraient être récupérables. Il devrait y avoir un service de restauration, vraiment. Mais bon, le monde est riche. Des belles tables encore, belles de chimie ou de physique SVT. La salle de sport, elle n'existe plus. Il y a des ballons dehors. Rien n'a été ramassé. Ça fait plusieurs mois. On est fin janvier. Et il n'y a personne pour nettoyer. Pas de volontaires. Et si on fait quelque chose, on peut être accusé de pillage, de détournement, comme d'habitude, il faut se couvrir, on n'ose pas, et il n'y a pas de bonne volonté, on attend que l'État casse, répare, remplace avec l'argent de chacun, et après on s'étonne des déficits.